Bonjour tout le monde. Donc pour le premier déchet, on va y aller avec l'intérieur du poivron. Donc la réponse, on peut mettre ça au compost, évidemment, soit dans notre jardin, soit dans un compost de ville. Mais nous, ce qu'on vous voulait vous suggérer, dans le fond, c'est d'aller une étape plus loin. Donc on va récolter les graines de poivron. On les enlève délicatement. On peut faire un tri dans les graines et choisir les plus belles, les plus grosses, les plus rondes. Mais sinon, on peut juste y aller de façon générale comme ça. Et on va mettre les graines dans un contenant pour les faire sécher. Et on laisse juste, dans le fond, on va juste laisser la partie de chair qui n'est pas utilisable. Soit pour mettre peut-être dans un bouillon, si vous en faites un cette semaine. Vous pouvez le mettre au congèle aussi pour l'intégrer à un prochain bouillon. Sinon, cette partie-là, vous pouvez effectivement la mettre au compost. Donc, les graines, vous les conservez dans un petit pot, préférablement où elles ont la place de sécher de façon espacée pendant quelques jours dans la cuisine. Et après, vous pouvez les mettre dans un petit sachet en papier que vous récupérez et vous les mettez dans un endroit frais et sec. Ça peut être aussi au frigo pour les garder. Vous pouvez les garder plusieurs années. On dit 4 à 5 ans par graine. C'est sûr qu'au bout d'un moment, elles vont devenir moins efficaces, elles vont pousser de façon moins efficace, mais ça se conserve quand même assez longtemps. Donc faites un essai. Puis c'est bientôt le temps des semis, donc ça peut être intéressant de faire le test avec vos jeunes. Bonne journée!